quel point ces chaussettes sont mes préférées. J'adore la couleur, le suivi des rayures, j'aime tellement. Et alors la bordure en dents de chat, c'est vraiment, vraiment ce que je préfère. Bon, j'ai mis mes chaussettes préférées aujourd'hui. Et j'aime encore plus parce que elle sort des souliers. Et j'aime bien mettre mon jean comme ça parce que comme ça on voit un petit peu mes chaussettes quand je suis assise. Hop, ça tire. Et j'adore voir les chaussettes en fait. J'aime beaucoup. C'est un petit style, mais bon. Moi j'aime bien quand on voit les chaussettes. Hello, on est lundi matin. Bon matin tout le monde. C'est le dernier jour de Vlogtober, le premier jour de la semaine. C'est drôle qu'on finisse le mois avec un lundi, je trouve. Ça tombe pas juste. Dans ma tête, ça tombe pas juste. Je vais être complètement en décalage. Bon, bref, comment ça va ce matin chez vous? Le mois de novembre arrive. Oh, faut que je vous dise, j'ai préparé une playlist sur YouTube pour novembre avec des musiques que, mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je me suis préparée cette playlist et je vais la remplir au fur et à mesure aussi. C'est novembre en douceur, donc si ça vous intéresse, vous allez sur mon profil et vous avez mes playlists sous ma chaîne. Vous avez playlist et vous avez novembre en douceur et vraiment vous verrez les musiques que j'écoute. Pas mal de blues, je me rends compte, pas mal de blues, un petit peu de jazz, mais c'est marrant de voir les influences qu'on a quand on fait des playlists. Et là, pour novembre, bah, toutes les chansons que je me suis rentrées dans les playlists, là, c'est vraiment marrant. Bon, bref, c'est mon petit truc, c'est un truc que je voulais vous partager. Et YouTube, tout le monde l'a, Spotify, tout le monde l'a pas. Donc, avec YouTube, si vous voulez suivre ma playlist, allez-y. J'ai failli pas être là ce matin. Je peux vous dire que là, je me booste pour être pleine d'énergie. Et je ne me laisserai pas, comme je disais, never, never, never give up. Parce que hier soir, j'ai fait une méchante réaction allergique. Et c'est la troisième du mois. Et ce qui veut dire que c'est pas cool. Et que je vais devoir ajuster mon traitement. Vous savez, j'ai déjà parlé plusieurs fois de la maladie de mon fils, Victor, qui est malade. Mais j'ai la même maladie. On a tous les deux cette maladie génétique qui fait que dans notre corps, les cellules réagissent à tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est une maladie, je vais vous comparer ça un petit peu pour vous expliquer, c'est que vous avez par exemple des gens qui ont une allergie alimentaire ou une allergie au pollen. Alors, souvent l'allergie au pollen, ça vous fait comme un rhume, hein, ça vous fait pleurer, etc. Mais l'allergie alimentaire, vous pouvez gonfler, vous pouvez avoir de l'urticaire, vous pouvez avoir la peau qui va se marbrer, donc vous avez des marbrures. Ça m'arrive assez souvent quand je fais une allergie, c'est ça, c'est des marbrures. Vous avez aussi les vomissements, les diarrhées, ça en fait partie. Oui, on peut vomir et avoir des diarrhées quand on est allergique et ne jamais gonfler. Donc souvent on dit, oh non, si t'as vomi ou si t'as une diarrhée, c'est une intolérance. Pas forcément, pas forcément. Je le sais puisqu'on est suivi en allergie, en allergologie, mais aussi en maladie génétique. Donc là, votre corps, il réagit, en fait. Eh bien, Victor et moi, notre corps, il réagit à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, ben, Victor, par exemple, un jour a mangé du gingembre, il a fait un choc anaphylactique. Il a été testé, il n'est pas allergique au gingembre, et il en a remangé, il n'a rien eu. Et demain, il peut en remanger et refaire un choc. Donc, on ne sait jamais, c'est la maladie qui fait ça. C'est que, parfois, la maladie va réagir. Puis c'est juste la maladie quoi en fait, ça fait comme une allergie, mais ça vient de cette maladie qui est un peu, incontrôlable, c'est que on sait jamais à quoi on va faire une réaction. Et hier soir j'ai mangé une petite salade, et ça c'est grâce à Victor qu'on a réussi à identifier, parce que vraiment j'ai mangé comme d'habitude, et là en fait j'ai fait une réaction parce que dans la petite salade que j'ai mangée, il y avait des jeunes pousses de mâche. Et que ça fait déjà 2-3 fois que quand je mange de la mâche, je fais une réaction. Et du coup, j'ai eu plein d'urticaire hier soir. J'ai dit à mon mari, j'ai le nez bouché. J'ai dit, c'est pénible, j'ai le nez bouché, pourtant je ne suis pas enrhumée. Et c'est pas la période de pollen non plus. Donc
Et là, j'ai dit, je suis vraiment pas bien, j'arrive pas à respirer. Et là, j'ai commencé à, en fait, j'ai commencé à gonfler au niveau des côtes. Et là, ça m'empêchait de respirer et j'ai eu l'urticaire. Donc, je pouvais pas respirer à fond et j'avais de l'urticaire. Alors là, c'est parti, ça me gratte encore un petit peu ce matin ici. Ça me gratte un peu, mais j'ai pas chaud. Ça m'a fait une baisse de tension. Donc du coup, j'ai pas eu chaud. Là, je vais me réchauffer aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que hier soir, j'ai dormi, mais je suis encore un peu KO. Hein. Je vous dirais que ma tête est là. C'est mon corps qui ne suit pas. Ma tête est ici. Vous voyez ma tête et mon corps, il ne veut pas suivre. Aïe, aïe, aïe. Mais je ne laisserai pas cette maladie nous empêcher de faire notre vie, quoi. Enfin, voilà. Donc là, ce matin, parfois on est couché. Hein. Parfois on ne peut pas se lever. Ce matin, j'ai mal à ma jambe, par exemple. Très, très mal à ma jambe. Victor, lui, quand ça lui fait ça, c'est mal en bas du dos et pareil, il ne peut pas se lever. Donc là, quand c'est comme ça, on n'a pas le choix de rester couché. Mais bon. Là, aujourd'hui, je suis debout. Et j'ai quand même bonne mine. Hein. Je suis contente que l'urticaire est parti. D'habitude, ça reste 3 jours. Oh, 3 jours, vous imaginez, j'étais toute rouge, plein de picots. Et puis, heureusement qu'on a le traitement, quoi. Heureusement qu'on a un traitement qui est quand même pas mal déjà élevé. Donc là, c'est pas génial quand on est déjà au bout du traitement puis qu'on a de l'urticaire. On va être obligé de retourner et changer de traitement. Ça, c'est pas génial. Donc voilà. Sinon, ce matin, je viens de faire chauffer des pâtes pour mes poules parce que je suis en rade de grains. Elles ont juste le bas de la mangeoire de grains. Mon mari va en acheter aujourd'hui. Du coup, je vais leur faire des pâtes. Ça va les nourrir. Hier, je leur ai fait des épluchures de patates. Elles étaient contentes. Et je les ai fait cuire, hein, les épluchures de patates. Croyez pas que je les donne crues. C'est très mauvais, la patate crue. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire ce matin? Alors j'ai prévu de faire des choses de déjeuner. J'ai prévu de faire du cake au vin blanc parce que j'ai un fond de vin blanc que j'ai utilisé pour les tripes de Caen. Et je vais utiliser le reste de la bouteille pour... Enfin, il reste un verre, donc je vais l'utiliser pour faire un petit cake au vin blanc. C'est très très bon. Je vais faire aussi peut-être des biscuits. J'ai sorti des trucs. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Je suis contente parce que j'ai fait un beau ménage de ma cuisine hier après-midi. On a coupé le persil, la coriandre dans le jardin avec Cheyenne hier matin. Et vraiment, je suis contente parce qu'on a pu en congeler un peu. La coriandre, il en reste encore à avoir. Les poules elles m'ont tourné un bout de jardin. Donc, il va falloir que je trouve une solution, que je mette un petit grillage pour pas qu'elles y aillent. Sont allés dans le bac. Bon, du coup, on a bien travaillé et en rentrant, je me suis dit, je vais nettoyer ma cuisine. Donc, cuisine fraîchement nettoyée. J'étais trop fière hier. Bah, heureusement, parce que je vais vous dire, je sais pas si j'aurais eu l'énergie ce matin. Bon, j'ai acheté des confettis comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Pour mettre sur des cookies. Donc, j'ai bien envie de les utiliser pour faire des cookies comme ça pour les enfants. Et pour moi. Après tout, on est des grands enfants. Hein. Et j'ai aussi ces petites paillettes que je vais utiliser pour mettre sur des muffins. Parce que j'aimerais bien utiliser mes petits papiers à muffins. La fille qui veut faire des muffins pour utiliser ses papiers à muffins. Vous voyez la logique. J'ai besoin de faire des déjeuners. Comme ils sont cute. Ah, il y en a des Vichy. Ah, je vais tous les sortir. Bon. Oh, je les adore, ces petits trucs-là. J'en ai des Vichy et à pois. Et je les trouve trop, trop beaux. Donc là, je vais faire des petits muffins avec des petites paillettes dessus. Et les paillettes, c'est la vie. Je vais faire des muffins, des cookies avec des petits Smarties dessus. Et je vais faire ce petit cake au vin blanc. Et je regarde un peu ce que je peux faire d'autre parce que je vais faire des déjeuners pour les matins. Donc là, il faut que je regarde. Je vais feuilleter dans mon bouquin si j'ai le temps. Et ensuite, je vais aller à l'atelier préparer quelques petites enveloppes à envoyer. Et enfin, j'ai pas eu le temps de faire la poupée nounou. Du tout, du tout. Il aurait fallu que je sorte la machine et tout. Et là, j'étais pas du tout dans le truc de la sortir. Donc, bon, finalement, je l'ai pas faite, mais j'ai tricoté. Et mon pull, il avance bien. Et mon pull des gnomes. Mon pull des gnomes qui devient mon petit chouchou. Je vous assure que je l'adore. Franchement, il va bien tricoter.
J'ai commencé à faire la barbe. Attendez, si je vous le mets dans le bon sens, ça serait mieux. La petite barbe des petits bonhommes. Donc voilà, ça c'est vraiment un pull que j'adore. Et il faut que je vous montre aussi. J'ai tricoté un peu ce matin au déjeuner. J'ai repris ma boîte de mitaines. Et j'ai avancé un petit peu mes mitaines. Je vais vous montrer ça. Donc les couleurs. Oh, allez, on les voit bien les couleurs. C'est les vraies couleurs. Dans ma petite pochette protection d'aiguilles. Bien, pour pas perdre ses aiguilles, n'est-ce pas? C'est mon mari qui a pris la voiture, donc qui a pris ma voiture. Il a pris ma titine. Voiture électrique, c'est bien. Quand c'est les vacances, mon mari la prend parce que moi, j'ai pas besoin de bouger beaucoup avec les enfants. On a tout sur place. Et j'ai pas besoin de faire des allers-retours à l'école. Ce qui fait que je lui laisse ma voiture. Ce qui fait que c'est plus économique que de prendre la voiture avec l'essence. Et du coup, j'ai pas vérifié si j'avais mon aiguille dedans. Mais affaire à suivre. Sherlock est sur l'enquête. Voilà, j'ai avancé ma petite mitaine. C'est tellement joli. Tellement beau ce motif finalement. Parce que quand on le regarde tricoter, on se dit, oh, beau, ça donne quoi cette affaire-là? Ouais, c'est beau, mais franchement, de le voir à l'écran, c'est encore plus beau. Oh là là. Alors, ça paraît petit comme ça paraît serré, mais je peux vous dire que pas du tout. Hein. Je vais vous le passer. Alors, hop, il y a plein de fils dedans. Oh beau, c'est une taille unique. Je mets du 38, donc je peux vous dire qu'il y a encore un petit peu d'espace. Encore de l'espace. Mais j'aime bien parce que ça, du coup, ça colle bien quand même. Et ça permet d'avoir une manchette qui est bien. Alors là, je crois que je suis à un tiers. Donc là, ça va vraiment descendre un tiers. Normalement, ça monte jusque là. Jusque là. Donc oui, je suis à un tiers. Voilà, c'est ça. Tac, tac, à peu près. C'est super beau. J'aime vraiment. J'ai bien avancé. En une heure, j'ai fait tout un motif, en fait. En même pas une heure, j'ai fait tout ça. Et pourtant, c'est tout petit. C'est beaucoup de... Faut être vraiment à réfléchir. Attendez, je ramasse ma pochette. Faut vraiment se concentrer, hein, parce que c'est une toute petite grille. Et là, j'en suis bien arrivée. Bon, voyons, la pochette veut se faire la balle. Et ça vous donne ça, normalement. Vous voyez, ça vous donne tout un motif. Donc là, moi, j'ai deux motifs de fait. Donc là, après, ouais, c'est ça, je suis à un tiers. Il va falloir que je fasse le petit pouce. Et puis, c'est bien. Donc, je suis contente parce que ça avance bien. Et c'est des jolies couleurs, en plus. C'est... J'aime bien. Je me fais ça parce que c'est il n'y a pas de bout sur les autres doigts. Et je me fais ça parce que je me dis que pour l'hiver, l'atelier, comme on va limiter le chauffage, hein, ben, on va faire gaffe. Donc là, je me dis ça va me réchauffer en attendant de pouvoir chauffer la maison correctement. Et je remets toujours mes petites aiguilles double pointe dans la petite pochette parce que j'en ai fait plusieurs, du coup je vais pouvoir ranger aussi pour mes chaussettes quand je tricote avec des doubles pointes parce que ça va pas du tout, sinon je les perds et je les mets dans les sacs, comme ça c'est impeccable. Donc voilà, ce matin j'ai tricoté un petit peu ça, je me suis dit tiens, j'avais envie de changement, j'avais pas envie de reprendre le pull ou quoi que ce soit, je voulais un petit peu de quelque chose qui m'accroche, qui est tellement beau modèle. Oh, j'adore. Si vous voyez les modèles, ça brille un peu parce qu'il fait et soleil ce matin, même le soleil est venu nous dire salut. Ah, il y en a que j'aimerais bien faire là-dedans encore. Mais bon, pas tout de suite. Allez, je m'en vais cuisiner, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends de ce côté-ci parce que, avec le téléphone, parce que j'ai pas de trépied assez petit, j'en ai commandé un, mais pour mon appareil photo, du coup, je peux pas vous mettre où je veux et je trouve que c'est un petit peu gênant du coup. Si on a envie de se jaser, ben on est un petit peu coincé. Je suis en train de mettre la pâte du cake au vin blanc. Je vais la mettre au four. Je vais vous mettre la recette. Ici, je vais vous l'écrire. Vous verrez, c'est simplissime. Et quand on cuisine quelque chose qu'on fait mariner au vin blanc, etc., il reste toujours un petit verre ou quoi. Ben, je fais toujours un cake avec après. C'est bon, l'alcool,
l'alcool va disparaître, hein, ça va être cuit, mais il y a ce petit goût un peu légèrement acidulé que je trouve très bon. Alors après, si vous aimez plus ou moins acidulé, ajoutez de la vanille ou des choses comme ça, mais moi je trouve que c'est vraiment très très chouette. J'ai préparé des cuillères en chocolat. J'ai un moule en silicone pour faire des petites cuillères en chocolat, comme ça, regardez. Cuillère en choco, donc là il faudrait que je lime un petit peu les bords, mais voilà, j'ai fait mes petites cuillères en choco pour faire le chocolat chaud aux enfants tout à l'heure avec la guimauve, la chantilly et tout, et je leur mets une petite cuillère en chocolat, ils adorent. Aujourd'hui on va se faire un petit goûter. Ce soir mon chéri a une réception au travail, donc on va être juste nous trois. Et on va en profiter pour se gâter. Donc là, j'ai préparé ça, les enfants sont contents. Voilà, et si vous me suivez sur Patreon, eh bien ce goûter, on va le prendre ensemble. Je vais m'asseoir avec vous, je vais prendre un petit thé et je vais vous parler de tous mes projets qui sont en cours. Je vais tout sortir. Je pense que Cheyenne sera avec moi. On va sortir tous mes en cours et je vais faire un tri. Je vais mettre des ordres de priorité parce que j'ai vraiment envie d'aboutir ça. Et j'ai envie de faire le point sur ce que j'ai commencé cette année. Ce serait sympa de faire ça. J'ai jamais fait ça, de tout sortir. Et là, vraiment, j'ai envie de tout sortir et de mettre dans un panier, dans un coin pour me dire « Je prends ça avant de commencer autre chose. » Même si je le sais que je vais commencer autre chose, mais c'est pas grave. Bon, je mets le petit cake au four et on se retrouve après. Là, deuxième étape, je vais préparer... des petits pains au lait, donc je vais mettre, vous savez, mes fameux petits pains au lait, je vais les mettre à la machine à pain pour que la pâte puisse tourner, et comme ça je les préparerai tout à l'heure. Donc là je vais préparer la pâte, et ensuite pendant que le cake est en train de cuire, je vais aller mettre de l'eau aux petits oiseaux parce qu'ils n'ont pas d'eau. Je vais revenir. Voilà, je suis allée donner aussi les pâtes aux poules, et je sors de ma poche les petits œufs du jour. Voilà. Bon, j'ai 5 poules, mais j'en ai une qui ne pond plus du tout. Du coup, j'en ai un super grand. Regardez ça, la taille. Vraiment une grosse différence. J'en ai une qui ne pond plus du tout. La pauvre toutoune. C'est pas grave, on l'aime quand même. Hop. J'en profite toujours pour mettre de l'eau dans une coupelle pour les oiseaux parce que ils aiment bien. En fait, c'est une coupelle de... C'est un dessous de... Attendez, je reviens. Voilà, c'est un dessous de pot de fleurs. Mais en fait, les oiseaux, ils aiment bien se mettre dedans. Alors, c'est juste là. Ils aiment bien, juste en face de la porte. Ils se baignent dedans, ils boivent. Ils sont rigolos, hein, comme tous les petits oiseaux. Alors, ils viennent, ils se mettent sur la planche à côté. Et ils regardent s'il y a de l'eau. Et s'il n'y en a pas, hop, je leur en amène. Je veille à ce qu'il y en ait tout le temps. Mais là, c'était sec. Hein. Bon, voilà. Donc là, je vais faire les petits pains au lait. Pendant que le cake est en train de cuire, après, je vais faire la pâte à muffins. Ce qui fait que le four sera déjà chaud. J'aurai plus qu'à enfourner. Ce sera impeccable. Et on va être bon pour un bon petit goûter tout à l'heure. Je repensais à ça aussi quand je vous disais tout à l'heure que on fait une réaction à tout et n'importe quoi. C'est que effectivement, on peut faire une réaction à la chaleur. On peut faire une réaction au froid. On peut faire une réaction, un choc anaphylactique uniquement à une contrariété. Le corps, il va comme réagir et déclencher une crise. Et du coup, bah voilà, c'est pas marrant ça. Hein. Heureusement, ce matin, je suis là. Mais heureusement qu'il y a les médicaments. Mais en même temps, on ne peut pas faire autrement que d'attendre que ça passe. C'est la seule solution. Parfois, la généticienne a dit, bah faut vous allonger. Puis vous attendez que ça passe, on ne peut rien faire. Donc voilà. J'ai commencé à garder à nouveau mes coquilles d'œufs. Voilà. Je vais garder à nouveau mes coquilles d'œufs pour le potager l'année prochaine. Je n'avais pas fait ça cette année. Et en fait, cette année, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'escargots. Ils sont mignons comme tout, mais ils mangent tout. Du coup, là, en plus, ils se planquent dans les recoins. Du coup, là, cette année, j'ai dit, c'est bon, j'ai pas de limaces. Parce que j'ai des poules qui ont mangé les limaces. Elle ne mange pas les escargots. Donc là, des fois, on a des super gros spécimens. Quand c'est comme ça, je les prends, puis je les remets
Je les mets dans les buissons de l'autre côté de la barrière. C'est la rue de l'autre côté, donc ils ont tous les buissons qui les protègent. Mais venez pas dans mon potager, les gars, c'est pas un resto à ciel ouvert. Du coup, j'ai gardé mes coquilles d'œufs. Je vais les casser quand j'en aurai assez. Je les mets dans un sac, je les pile et puis après, comme ça, je les garde dans une boîte. Et quand je fais mon potager, paf, paf, je mets mes petites coquilles d'œufs. Et je peux vous dire que ça marche super bien. Super bien. Voilà. Ouais, il agit comme... Ok, alors parce que j'ai eu la question, quand on a le mal du pays, comment on fait, étant donné que, bon, ben, on est quand même aussi canadien, toi t'es né là-bas, donc tu fais comment quand t'as le mal du pays? Bah, quand j'ai le mal du pays, je vis comme dans le pays. Par exemple, je mange comme dans le pays, ma chambre est décorée comme le pays, ouais. Puis j'agis comme... T'as l'impression... Si... Ouais, j'agis comme si j'étais dans le pays. Ok. Tu veux... toi, Chai, tu le prends comment quand t'as le mal du pays? Moi, j'y pense pas, en fait. Je veux habiter en Italie, alors c'est pas vraiment une déception. Donc, tu vas combler le manque de ton pays en allant dans un autre pays, en fait. Tu vas te construire une vie dans un autre pays. Ouais, c'est mon rêve, en fait. Ouais, c'est un beau rêve, ma puce. Bon, je vais en profiter aussi pour répondre à deux questions qui m'ont été posées et ça va clôturer ce Vlogtober. Tout d'abord, on m'a posé la question comment je fais quand j'ai le mal du pays? Comment je réussis à passer ce mal du pays? Alors, vous voyez, j'ai interrogé mes enfants, donc vous allez avoir les réponses. Et je vais vous dire, surtout qu'en début de mois, j'ai eu effectivement une période où ça a été plutôt difficile et j'avais juste envie d'être chez moi, d'être au Canada, d'être dans ma forêt et de profiter de chez nous. Je vais faire comme mon fils, je vais vivre pendant quelques jours comme si j'étais au pays. C'est-à-dire que je vais regarder que la télé anglaise, enfin que la télé anglophone. J'essaye de trouver des chaînes américaines, ce qui n'est pas facile quand on est à l'étranger. J'ai pas forcément l'abonnement pour ça non plus. La BBC n'était plus accessible non plus. Alors certes, je suis canadienne, mais je regarde beaucoup la télé anglaise. C'était plus accessible ici. Et c'est les choses auxquelles je suis plus proche. Donc voilà, je regarde la télé en anglais. Je mange comme au pays. J'ai réussi à trouver des alternatives. Par exemple, pour faire une poutine, j'ai réussi à trouver un fromage qui correspond plus ou moins, c'est pas le fromage à poutine, mais ça peut faire une bonne alternative, et là on a comme un goût de pays. Voilà, on a gardé certains horaires, mais on essaye de vivre comme au pays, on essaye de faire des choses qui nous rappellent le pays, et ça aide beaucoup. Et puis on essaye de sortir, de s'aérer, ce qui fait que on pense à d'autres choses, et on se donne des projets aussi. En se donnant un projet, on essaye de plus penser trop au pays. Bon, voilà. C'est normal hein, d'avoir des coups comme ça. Alors par moment, bah, voilà, on se remet des chansons canadiennes. On fait des trucs très américains. Et voilà quoi. Et on parle aussi beaucoup en anglais à la maison. Donc, ce qui fait que surtout que les enfants maintenant ont débloqué complètement. Puisqu'au début, quand on est arrivé en France, ils ne voulaient plus du tout entendre... qu'on parle anglais parce que pour eux, les gens les regardaient trop. Et maintenant, ça a complètement débloqué. Ils ont, au contraire, ils préfèrent parler une autre langue. Et c'est bien, c'est tant mieux. Donc voilà, quoi, c'est comme ça qu'on passe notre mal du pays. Et la dernière question qui m'a été posée, c'est depuis le temps que je tricote, comment j'ai vu le tricot, les couleurs, tout ça évoluer, ce que j'en pense. Alors oui, le tricot a énormément changé en peu de temps, en 10,
En 5 à 10 ans, ça a beaucoup changé, notamment les techniques. Vous savez, avant, Bergère de France, tout ça, c'était beaucoup des choses. On faisait morceau par morceau qu'on venait coudre. Maintenant, on fait beaucoup de choses en une seule pièce, ce que je trouve super, non seulement en gain de temps, mais aussi au niveau de la technique, parce que les coutures, c'est pas toujours propre, c'est pas toujours évident. Je sais pas vous, mais il y avait toujours plus ou moins un décalage au niveau des manches, fallait tirer, alors vous avez une manche tirée là, enfin bon bref, c'était beaucoup de bidouillage, comme je dirais, mais bon, voilà. Ça a beaucoup changé, j'aime beaucoup la façon de faire des tricots maintenant. Mais ça évolue encore, et je trouve que certaines techniques deviennent même trop compliquées, ça... Si ça devient, voilà, ok, ça, c'est très beau, mais ça doit rester quand même un plaisir et ça doit rester une détente. Et si c'est pour trop se casser la tête, pour moi, ça n'a pas trop d'utilité. Après, il y a des gens qui adorent, c'est comme pour des puzzles, il y a des gens qui adorent ça, avoir de la technique. Et c'est très bien, il en faut pour tout le monde. Donc il y a des modèles simples, il y a des modèles plus compliqués et c'est génial. Au niveau des couleurs aussi, alors effectivement, les couleurs ont énormément changé. Il y a beaucoup plus de couleurs que dans le temps, mais vous avez aussi des, je dirais pas des clans, parce que c'est pas vraiment ça, mais vous avez des groupes de couleurs qui se sont faits comme des couleurs très nature, très dans les mêmes tons, beige, gris, crème, brun, ça tourne autour de ça. Vous avez le côté très coloré, et vous avez des choses vraiment flash, et je trouve ça super, parce que du coup on peut se trouver... Il y a des gens qui adorent que les couleurs pastels, peuvent se trouver. Il y a des gens qui adorent que les couleurs naturelles, et c'est parfait. Ils se trouvent aussi, et il y a des gens qui adorent les couleurs pétantes. Et ça, dans le tricot, on a réussi à sortir de tout ça. Il y a vraiment de tout. Et ça, je trouve ça formidable. En plus, maintenant, vous avez toutes sortes de laines, toutes sortes de teinturières artisanales, de laines commerciales qui sont toutes pleines de couleurs. Et je trouve ça superbe. D'ailleurs, c'est à l'infini, quoi. On a vraiment... On peut se créer son monde à soi avec tout ce qu'on a autour de nous. C'est ça que je trouve chouette. Fait que voilà, oui, le monde du tricot a beaucoup changé. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se sont développées au niveau des dentelles et des choses comme ça. Voilà. Effectivement, j'ai trouvé que ça avait beaucoup changé en 10 ans. Et bien, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis donc à très très bientôt. Et encore merci de tout cœur d'être venu ici tout le mois, d'avoir suivi nos aventures, parfois en famille, parfois seule. Mais voilà, je vous remercie. La famille se joint à moi pour vous remercier. Mon mari qui n'est pas là, mais qui m'a soutenue tout le mois aussi. Et je remercie tout le monde. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.